Salut tout le monde, c'est Swift, c'est Toto, on se retrouve pour notre petit épisode 3 sur Pokémoku. Alors, Ah oui, Mega Bracelet, non. Ça c'était dans le truc. Alors, on a entraîné légèrement nos Pokémon, donc moi j'ai mon Apirine qui est niveau 27, et mon Snubbull qui est niveau 20. Sinon, bah mon Corion, Osef, et mon Evoli, pareil, Osef. Et toi, je crois que... Ah, t'as capturé qui? Ah ah, tu verras. Ah bah non, bah montre-moi, montre-nous. Le voici. Ah, t'as capturé un pomme de pique, trop fort. Ah, c'est marrant parce que t'as SwiftZ, donc là on est pas beaucoup sur le serveur, il y a tous les gros gardés qui sont connectés, mais on tourne tard. Ouais bah oui, il y en a qui sont déconnectés, il y en a pas mal. Il y a SwiftZ qui a aussi un pomme de pique. Bon allez, on va à l'école des Dossers, on va tenter. Alors faut savoir que là-bas il y a donc Neola qui est un petit peu le rempart de cette première île, tant qu'on l'a pas battu. T'es où? Ah attends, ça serait peut-être bien d'aller derrière, non? Bah ouais, c'est ce que on va aller derrière. C'est un peu le rempart de la première île et elle est très très dure, donc on va bien voir. Bon, pour l'instant, on va faire l'école dresseur. En avant Dardanian, les Pokémon insectes vaincront. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, il est en train de se fight avec lui. Bon, ouais, clairement, c'est les Tourbol qui gagnent, c'est quoi ce délire. Et Tourbol, je compte sur toi. Ok, d'accord. Ouais, trop bien. Ouais, génial. Bon, bah. Et toi, tu dis quoi? Tu dis. Ah bah, combat. Allez, let's go. Ah bah, moi, je me tape. Oh putain, c'est un 2 contre 2. Ah bah, attends, me spoil pas. Mais je crois que c'est un boss, lui, hein. Alors, Carapuce, on va faire un coup de boule. Alors, hop. Donc les épisodes sont peut-être un peu longs, mais le truc c'est qu'en fait, plus on va avancer, moins les épisodes seront longs, tout simplement parce qu'on laisse quand même les premiers combats, pour ceux qui aiment bien voir les combats. Et voilà. Tiens, l'autre dresseur là que tu dois fight, après, tu vas voir, il a que des starters. J'ai défoncé, hein. Je suis détruit, hein. Oh, tu t'es fait défoncer? Ah ouais, oh, il est horrible. Bon, moi je veux le défoncer, hein. Ouais, je t'attends. Ça fait quoi déjà le banc de muscles? Je crois que ça laisse à un PV. Je vais le mettre sur mon Snubbull, tiens. Donc j'ai enlevé les bottes, les gens, parce que j'ai vu que sur le deuxième record, ça générait du lag en plus. Enfin, des freezes. Et c'est un peu embêtant. Ah, c'est vrai que t'as un Grey. Ah oui, t'as ton Grey Nashani qui a évolué, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Il est beau, hein. Ah oui, je préfère largement ton Grayena Shiny avec les yeux bleus que mon Apirène. Que j'ai renommé Apilope. Voilà, pour ceux qui comprendront. Oh, c'est bon, tu t'es battu putain. Alors, Toshiryu, j'adore les petits Pokémon, c'est vraiment dada, ils sont trop mignons et tout. Bon, après, mon Autobi, c'est la construction, les combats doubles. Passe partout et passe muraille. Je l'ai pas remarqué. Mais ils sont niveau 27. Ah bah oui, c'est parce que l'autre, il est. Non, j'ai pas fait avec l'autre. Ouais. Choisissez une cible, ah ouais, c'est vrai que ça se passe comme ça les combats doubles. Et on va faire Rayon Gemme sur Passepartout. What the fuck? Oh bah d'accord, mon Snubbull il a des pop. Je t'avais prévenu hein, qu'il était en train de me défoncer. Putain, c'est quoi ce délire hein? C'est Carapace. Tranche, Rayon Gemme, Tornade. Je vais faire Rayon Gemme aussi. Parce que c'est une attaque à 80 quand même, Rayon Gemme. Hein. Putain, mais je me fais détruire! Je me fais destroy! Ah, on est d'accord! Il m'a outspeed tout, hein! Oh, super bon! Ah, c'est bon, il a résisté! Mais non, mais il me le tue! Bah, j'ai utilisé le rappel, hein, tant pis, hein! Est-ce que tu penses que mon. Il a que deux? Ouais, il a que ces deux-là! Oh putain, je tank! Oh. Est-ce que je tente? Ouais, je vais y aller, je suis un PD aujourd'hui. Je suis un PD, je m'utilise une petite potion. Oh là là, pas bien. Est-ce que avant de. What the fuck? Attendez, je vais perdre les gens là. Oh, la première défaite de Doudou. Non, attends, je me soigne, c'est mort. Ah, c'est bon, il a fait Swift, donc je vais faire tranche. Ah, il y en a encore un truc. Voilà. Ouais, c'est bon. Ah, bah voilà. Passe muraille KO. Hop, vous avez rapporté. Tu savais que c'était moi tout seul qui avait construit l'école des dresseurs à côté. Ah, je suis plus tout jeune. Moi, dis donc. Ok, nickel. Donc en gros, ça, les gens, les petits boss que vous voyez en fait, ce sont des petits clins d'œil aux personnes qui nous ont très légèrement aidés sur le serveur parce qu'on est très peu en fait à avoir fait le serveur. On a été 3-4. Mais sinon, il y a des personnes qui sont venues nous aider, genre peut-être l'espace de un jour, mais on leur a fait un petit clin d'œil quand même. Voilà. Ah, c'est du bien de ce vilain, putain. Attends, à mon tour.
Alors, l'école des dresseurs. Salut, si tu es entré ici, c'est que tu veux te mesurer au capitaine. Dans ce cas, laisse-moi te donner des conseils. Rien de bien compliqué, ces Pokémon sont de type normal, c'est-à-dire que tu feras mieux d'avoir des Pokémon combat avec toi. Après, les Pokémon roche ou acier résistent pas mal aux attaques, donc ça le fait aussi. Un dernier conseil, tous les capitaines de la région ont 6 Pokémon, alors forme-toi une bonne équipe et achète des potions. Moi, ce que je te propose, c'est qu'avant de tenter Néola, je me prendrais bien des petites potions, tu vois. Donc là, on va faire le petit fight, alors Ekeltroc. Ah, Ekeltroc, ça fait le taf. Putain, y'a un Guanfrex. Tu sais que d'ailleurs, tu sais qu'il y a des Guanfrex dans la zone d'Apitrini. Ouais. T'auras plus de feu. Bah ouais, mais il y en a. Donc t'aurais pu avoir un Roflex. Oh, coup de boule, ça fait mal, hein. Ah, ça fait bien. Je sais pas du tout à quel... Bon, attends, je vais faire les autres. Je sais pas du tout à quel niveau il évolue, Snubbull. Oh, ça va. Oh putain, t'as le temps. Si on arrive à faire Néola, donc le boss entre guillemets de l'école des dresseurs, en un coup, on est trop fort. On est trop fort. Alors hop. Alors tac tac tac. Non, c'est nul, je le prends pas. Nirondelle. Ouais, moi je lui ai fait l'attaque combat, mais s'il est tiffé ce con. Ah, j'ai. Oh, what? Mon Snubbull il est vaut du géant. Putain, mais je vais la détruire. Je vais la détruire, Néola. Et hop, le petit grand bulle. Oh, le. Oh, il est. Oh, il fait trop bonnet. Le grand bulle. Oh, le gros boule. Attends, je le laisse se balader pour que tu vois. Bonjour, madame. Chaque type a ses faiblesses et ses résistances. Le mieux, c'est de les. C'est de les connaître par cœur pour avoir toujours l'avantage. Mais après, bon, il faut connaître aussi les types de Pokémon de ton adversaire. Et ça, c'est l'expérience des combats. Au fait, tu savais que si un Pokémon utilisait des pains, blabla. Bon, ça, vous savez, les gens, vous avez pas besoin, c'est tout bête. Hop, salut. C'est bon, tu l'as fait le dresseur là ? Allez, snipe ! Ouais. Hop, voilà. D'ailleurs, si vous avez du mal au niveau de. Quand vous combattez et que vous voyez pas vraiment les Poké, vous êtes dans le mur, n'hésitez pas à zoomer avec votre molette. Ce sera un peu plus simple, parce que sinon, c'est compliqué. Au revoir, Ratata. Ah bon, t'étais pas au courant ? Ah non. Ah bah tu vois, c'est Souzette qui faisait aussi l'aventure, enfin qui fait l'aventure, qui est à très peu, enfin qui est quasiment au même niveau que nous. Elle avait ce problème là. Bon, je t'attends à l'étage, moi je continue un peu les dresseurs et puis Putain, puis je cool pense... Pareil cool de merde. Je pense que je vais Oh putain, je vais te faire une gros, destruction là. Dans la gueule, toi, je vais te demander ce qui t'arrive. Alors Miaouss, Éclatroc, hein. Attends, ils sont niveau 12, on a niveau 23. Enfin, toi t'as des niveaux, ouais, bah niveau 23. Oh, Chuchmur. Alors, il y a notre dresseuse, puis moi je pense que ça sera bon. Alors, Evoli, bah tu vas te prendre un éclatroc, écoute. Mon petit Evoli. Voilà, très bien. Oh, un Spinda. Ah bah t'es mort. Ah putain, je les vois tous, sérieusement. Bon bah voilà. Donc ouais, là vous avez vu que j'avais Éclatroc et aussi Toto l'avait, parce que comme vous l'avez vu en fait à l'autre épisode, on avait la... On avait déjà récupéré la boule quand on a donc construit le serveur qui nous donne Éclatroc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on se l'est donné quand même en off, parce que sinon c'était un peu compliqué. Oh, et donc voici la... Ah, bien joué. Voici la fameuse Néola. Je viens de me faire battre par la capitaine de cette île, mais apparemment aucun souci car elle n'est pas vraiment capitaine. Elle aide surtout les vrais capitaines des autres îles à sélectionner les meilleurs dresseurs pour le tour des îles. Je te souhaite bonne chance et surtout, même si tu perds, ne baisse pas les bras. Elle est très forte, donc j'espère que tu as bien entraîné tes Pokémon, sinon tu te feras battre facilement. Bon, je la commence ? Je la commence ? Vas-y, regarde le combat là. Tu le regardes, hein. Let's go. Alors, bienvenue, je suis le capitaine de cette île, mais même si je suis une débutante, je te conseille de ne pas me sous-estimer. Bon, moi j'active ma petite intimidation, donc je suis tranquille, et je vais faire un éclatroc. Attends son heure, ah je crois qu'il fait patience là. Oh putain, les dégâts que je mets avec l'éclatroc. Oh, allez dégage. Oh, il est shiny son Vigoroth. Bah écoute, je spam les éclats. Ouh. Il fait très mal. Il m'a fait un critique. What? Ah, il a fait paresse. Allez, de toute façon j'ai un rappel s'il meurt mon grand bulle. Ah, mais mon grand bulle il fait un taf de fou, hein, je suis content de l'avoir pris, hein. Oh lolo. Alors là je vais switch, je pense. Oh, remarque. Je tente coup de boule, allez. Ah non, je suis mort. Attends, si je tank son attaque vol, je le démonte avec Riangem. Oh, comment je tank? Oh bah d'accord. Rip.
Ah bah attends, mais moi j'ai juste deux pokés abusés là. Deux pokés abusés. Attends, c'est abusé là. C'est dur. Ah bah d'accord, j'ai appel soin, ça sert à quoi le lanceur appelle ses souffles? Bon, on s'en fout ça. J'ai pas envie d'appeler mes sous-fifs là. What the fuck. Allez, la petite rayon gemme. Oh lolo. Attends, mais les dégâts. Allez, Teddy Versailles. Oh, le Spinda, il est trop moche. Allez, la petite rayon gemme. Ah, il m'a slip. Oh, le salaud. Ah, il me devient confus, mais sérieux. Il est horrible, attends. Putain, mais il est juste horrible. Ah, c'est bon, il s'est réveillé. Moi, bah, je m'afflue. Ah, mais... Ah, c'est bon, je l'ai battu. Ah, j'ai gagné, non? Oh, oui. Ah, tu as gagné, mais c'est pas terminé. Un jour, on se recroisera. Et là, c'est toi qui vas mordre la poussière. Yeah. J'ai obtenu quoi? J'ai obtenu météore, vengeance, engorgement et surf. Ok. Nickel. Bah, tu sais quoi, je vais te regarder hein, ton fight. Oh, j'ai... Hop. Eh mais oh, je l'ai réussi en un coup, genre sans utiliser de potion. Mais tellement abusé, Grand Boule. Ça va là, tu te soignes, tranquille. Bon, ça te dérange, Toto, si je tourne, enfin je vais au niveau des soins en attendant que tu fasses le fight? Vas-y. Ah, je jure que tu peux y arriver. Parce que là, franchement, déjà je vais aller me vendre les petits trucs qui me servent à rien, du style engorgement, etc. Par contre, on obtient surf. C'est plutôt pas mal ça en vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, surf, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. J'allais vendre les CT parce que bon. T'as pas besoin. T'as de le faire l'air à boire là. Oh là, là. L'air à boire. Moi, il m'a fait patient, j'ai fait deux éclatrocs, hein, c'était tranquille. Hein. Bon bah, les gens là, tranquillou. Hein, ils soignent ce putain des crémeux. Et donc, techniquement, à partir de maintenant, on a accès à la salle levée. Donc, au prochain épisode, on pourra lever nos Pokémon parce que bon, là, comme vous le voyez, le grand boule, c'est un peu du n'importe quoi. Hein. On fera plus de damage. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Enfin. Bon, on fera ça en off, vous inquiétez pas. Allez hop, je vais vendre mes petits items. Bonjour. Je veux vendre des items. Alors je vais te vendre météore. Voilà. Je te vends vengeance. Voilà. Je te vends rengorgement, pardon. Voilà. Et je vais t'acheter. Oh, j'ai 30 000 de thunes avec tous les PNJ. Oh lolo. Bah attends, on va s'acheter des hyperboles. Hein. On va s'acheter. Ouais, 9 hyperboles. Au niveau 25. Oh putain, j'apprends des. Ça va, tu la gagnes là? Oh ouais, ça va. Putain de décrémeux qui m'a fait chier, mais tout va bien. Ah bah il est chiant. Voilà, moi je suis bien là. Je vais te prendre un remarque, je vais prendre des total soins. Ça peut être pas mal. Voilà, bah je suis bien là, c'est bon. Merci pour votre visite, allez salut. Hop. Donc les balls, ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger dans mon sac. Enfin les balls. Les vieilles chaussures. Et c'est bon, j'ai gagné. T'as gagné là, c'est bon? C'est bon. Ah bah GG. Bah c'est nickel. On est trop fort. Mais mec, on est trop fort là. Non mais je trouve qu'on gère, c'est enfin bien joué. Allez. On a fait un sacré taf hein. Par contre, parce que oui. Il y a mon Nido Rhino qui a pris cher en fait. Ah bah oui, mais moi mon grand bull il est mort hein, de toute façon. Ah, j'ai utilisé que deux pokés comme toi en fait. Bah ouais, bah de toute façon moi mon Evoli il sert à rien et mon Corion il sert à rien. Donc d'ailleurs faut que je dégage le plus vite possible. Il a détruit les 5 pokés en fait. D'accord. Bah tu sais quoi, je vais me heal et puis on va continuer tranquillement sur la route. Bon, moi, et puis comme ça. Aussi, hein, si ça ouais bah pas de soucis, hein. Moi je vais parler au PNJ, etc. Puis voilà. Okay, on va quitter tranquillement la première île du serveur les gens. Et puis voilà. Ah je suis content putain. Alors donc là, monsieur, on a battu Neola, donc on peut passer. Ta-da-da. Et on arrive où ça? Sur une petite plage. Quoi, j'ai que 15 000 moi? C'est dégueulasse. Vers le chenal 2. Ouais mais moi j'ai vendu en fait. J'ai vendu les météores etc. Par contre garde surf hein, c'est important. Bah merci je garde. Ah j'ai un petit monsieur là, il me dit quoi? Alors dernière fois qu'on se voit toi et moi. Par là se trouve le vrai début de ton aventure. J'espère que tu as battu Neola avant de continuer. Allez bon courage, ouais. C'est battu. C'est vaincu. Hey, hey. C'est vaincu, c'est battu. Tiens y'a un Krabi sur la petite hutte là. J'arrive. Ah ok, un petit embarcadère. C'est quoi cette arme? J'allais voir. Bienvenue chez Coco Mobile. Ah, vous avez déjà revendiqué ce trésor? Ok, bon, j'ai déjà revendiqué. Je sais pas ce qu'il y a. Attends, j'arrive, je vais voir ce que. Je sais pas ce qu'il y a, Toto. Je vais parler au monsieur. Il y a un arbre bizarre là. Tu vois cet arbre étrange? Eh bien, c'est un arbre fruitier. Il en a très peu à Moku, mais si tu en trouves un comme celui-ci, tu es sûr de trouver quelques baies à ses pieds. Plutôt pratique les baies, surtout les baies Mepo et Prime. Tu m'étonnes. Ah, donc j'ai déjà récupéré la baie. Et j'ai déjà récupéré la baie. Bon. T'as des baies là si tu veux, Toto, regarde.
Alors, j'ai de l'eau fraîche. Ah, t'as de l'eau fraîche. Ouais, c'est que de l'eau fraîche, il me semble. L'eau fraîche et 4 eaux fraîches. Donc, c'est pas plus important. Et tu obtiens quoi dans ces deux baies-là, là ? T'es où ? Attends, je me mets... Ah oui, t'es là. En game mode 1 comme un con, bah oui, j'ai... Ah oui, d'accord, bah oui, t'es parti en fly. Ah, t'as une baie orange, bah de toute façon, je le vois. Une baie cerise, non ? Oh, bah ça va. Ah, oh, y'a des écrapances. Ça pourrait être sympa, ça. Il veut quoi, lui ? Hola, le port, c'est pour aller à la prochaine île. Il te faut la capacité surf pour pouvoir passer. En d'autres termes, tu dois battre Neodal dans un combat de Pokémon. À ce moment seulement, tu pourras passer. Merci. Alors, on est où là ? L'embarcadère de Olalel. Ouh, il y a du monde là. Pour aller sur la prochaine île, rien de plus simple. Il te faut d'abord un Pokémon qui connaît surf. Ensuite, tu n'as qu'à suivre le chenal vers le nord. Ce n'est pas difficile, il y a plein de bateaux sur le chemin. D'ailleurs, sur le chemin, mon frère a une maison, il te donnera sûrement une canne à pêche. Et lui, il dit quoi ? Si tu as battu Nelola, va voir mon commandant, il pourra te fournir un moyen de traverser la mer. Ah, c'est intéressant ça. Mais attention, il faudra le battre en combat singulier, et comment dire, ces Pokémon sont plutôt féroces. Pense aussi à prendre des Pokémon feu pour la traverser, la prochaine île Yonahoala est une énorme forêt. Intéressant. Intéressant. Ah, t'es déjà arrivé, t'es sur le bateau là ? Non, je le regarde avec ses beaux yeux bleus. Allez, boum, allez, salut. Combat. Oh bah d'accord. Attends, il dit quoi ? J'ai trouvé une CT, mais d'abord, combat. Ah, apparemment il a une CT à nous donner. On va lui faire un petit coup de boule. Ouais, bah ouais, pas de soucis. Un Golis, ok. Ah merde. Bon d'accord, Ah bah d'accord, si tu tombes... Vous avez remporté le combat. Ah ok. Et j'ai rien obtenu. Très bien. Bah écoute, t'as rien trouvé du tout en fait, t'es un menteur. Il dit quoi le monsieur ? Tu peux monter sur un Pokémon adapté s'il connaît la capacité surf ou vol. Par exemple, un Démenta, c'est pratique pour traverser les étangs du dos. Ok. Et lui, le monsieur, dit quoi ? Oh, ça a l'air d'être un... Ok, c'est un dresseur. Ah, le commandant, c'est lui. Alors, comme ça, tu veux de l'aide, gamin ? Bah, moi, pardon. Et tu risques de ne pas être déçu, moi. Ok, d'accord, le mec, il y a un Léviator. Hein. Le gars, il part sur une base de Léviator, quand même, là. Hein. Léviator, niveau 20. Hein. Bah, écoute, je vais te faire coup de boule. Ouais. Bah, écoute, je vais me faire démonter. J'essaie de vite fight le mec pour que tu puisses continuer. Parce que t'as vu le gars apparemment il a dit comme quoi il allait nous donner un moyen pour voyager. What, j'étais gelé. Mais il a quoi comme attaque? Ah, il a crogivre. Ok d'accord, je me suis fait défoncer. Donc on va partir sur monsieur Apilop. Ah ouais, c'est bon, je le tue. Oh, Milobelus. Joli Milobelus. Qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais tranche. Non, rayon gemme. Allez, on va tenter rayon gemme. What? L'altac? Il se booste. Oula, c'est pas bon là. C'est pas bon du tout s'il se booste. Hein. Oh, j'ai encore un rappel en soi. Oh, coup critique! Alors, bien joué, tiens, voilà les clés de ma cabine. What? Ah, ok, d'accord. Donc là, j'ai déjà récupéré le Poké Légende. Donc ce que je vais faire, c'est que je me le give. Voilà, je vais me le give, hein, c'est un démenta tout simplement. Qui vous permettra donc de continuer le chemin. Et voilà, hop, et on va sortir d'ici. Voilà. J'espère juste qu'il est pas au level. Bon, je l'utiliserai pas, vous inquiétez pas. Mais j'ai un petit démenta. Voilà, il va lui apprendre surf à ce petit démenta. Hop là, c'est le plaisir. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ranger surf, parce qu'on a pas besoin. Toi, dis-toi, ça a marché, toi. Bah alors, on n'y arrive pas. Oui. Oh mon dieu, le troll. Donc alors, apparemment, tout droit, il y aura le Channel 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Journée Map, histoire de voir où est-ce qu'on doit aller. Et on doit aller tout droit. Ok, donc on le voit, le Channel, il va jusqu'ici. C'est très bien. Bon bah écoute, on part tous les deux sur notre petit démenta. Ouais bah je voilà. D'accord. Moi je vais mettre en F5, histoire de... allez, vas-y, allez. Allez. Ah, la petite balade en mer. Il est grand ton démenta, toi? Oh putain, tu vas vite. Il est petit ton démenta un peu. Ouais, il est ridicule. J'ai l'impression que tu l'écrases. Bon, faut suivre les bateaux, apparemment. On va aller sur tous les bateaux, il devrait avoir des dresseurs. Ah bah ouais, il y a des dresseurs là. Ah merde, j'ai oublié de me soigner. Ouais, moi aussi j'ai oublié de me soigner, mais j'ai toujours mon apirène. Donc ça va. Ah bah ça va, on peut monter tranquillou là. Putain, mais moi je vole là. Bon, ok, les types volent des mantas, mais... Allez, vas-y. C'est quoi? Comment on accoste? Hop, c'est bon. Alors, on s'occupe de lui. Qu'est-ce qu'il a? Il y a deux dresseurs. Oh, d'accord, ok.
Il y a Tentacouille. Hop. Oh la blague trop nulle, putain. Oh mon dieu, horrible. Bah j'ai un Tentacouille moi aussi. Et un coquillasse que je vais faire une petite triangème et je parie. Non, un triangème en tranche. Oh, ils ont beaucoup de poké là, c'est quoi ce travail? Ça va, il y en a trois. Hop. Bon, moi c'est bon, j'ai défoncé. Allez. Moi je continue. Ah, on est donc au Chenal 2. Ok, nickel. On est sur le Chenal 2. Et sur Journée Map, apparemment, il y a une maison. Bah, je t'attends à la maison, Toto. Ok, j'arrive. Tranquille, Amon. Amon démantail, il surfe, tranquillou. Ah, il y a un loot. Je prends. Voilà, il y a un loot sur la petite île. Non, sur la petite île. Allez, ouais, je veux pas, bon. On va se remettre en. Comme ça, les gens. Hop. Voilà. Il y a quoi sur le loot? Oh, une Pokéball. Ouais, j'ai juste pas 14 Hyperballs, hein. C'est pas grave. Y'a quoi? Ah, je te vois, salut. Tut tut. Alors, on est où? Maître pêcheur. Bonjour. Oh, un visiteur, c'est rare par ici, au moins je suis tranquille, mais pas de gamins qui courent partout et font fuir le poisson. Si tu aimes la pêche, je serais heureux de te donner une de mes cannes à pêche. Sinon, tu peux aussi chasser les Pokémon en desséchant sous l'eau. En quoi? En descendant sous l'eau. Alors, le monsieur ne sait pas très bien parler, mais c'est moins pratique. Ah, j'ai une canne, nickel. What? Attends, y'a un PC, ça c'est cool. Je vais pouvoir virer mon Corillon et mon Evoli. Hop, et puis y'a un healer normalement. Il est ouf, ouais. Hop, ce healer est déjà utilisé. Ok, donc j'ai la petite canne. C'est cool, c'est bueno. Oh, y'a un Magikarp Shiny. J'aime bien. Ouais, t'as vu, y'a un Magikarp. Le meilleur, il a un aquarium, il a un Magikarp Shiny. Tu te fais vraiment pas chier, mon gars. Hein. Bon, après, si c'est ton métier, on peut comprendre. Donc voilà, les gens, si vous venez sur le serveur, n'hésitez pas d'avoir Journée Map. Vraiment, c'est intéressant de l'avoir, comme vous pouvez le constater. Hop, allez, on est reparti. Pour la petite balade, genre quand t'es sur Terre, t'es vraiment débile un peu là. Regarde, y'a des Ramolos, des Krabis. T'es sur la petite île là en forme de. Ouais, c'est bon, je te vois. Ah, y'en a un autre. Oh, y'a des Poké sympas, hein. C'est un PNJ. Ok, y'a un dresseur, donc. Présent sur les îlots. Je le fight. Pension, ouais, c'est ça. On ne trouve pas que des Pokémon. Oh, il y a aussi des Capri. Krabicoque, ouais. Okay, oh, des Pijako. Ah. Et donc, il loot au PNJ. Ouais, il est juste là. Il y a un loot. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un loot, ouais, sur un arbre, je le vois. Ah, il y en a un là aussi. Donc là, c'est le PNJ que t'as lu. Donc, je le. Voilà, je vous montre. Tu l'as vu où le loot? Et sur les arbres. Oh, une filet ball. Cool. Et là. Une Great Ball, ok. On se retourne sur le bateau. Oh merde, j'ai un Pokémon. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Allez, on se retourne sur le bateau blanc là. Oh, tu peux plus nager? Tu vas garder ton démenta? Mon démenta est mort. Merde. Ah. Bah, bonne chance pour nager. Viens là! Oula! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, hop. What, il a un mini Draco? Un Toto? Attends, là j'ai un truc, il me le faut. Hop. Ah bah clairement là, le mec, je sais pas c'est qui a construit ce bateau, mais il était pas très logique, hein. Bon, monsieur Granboul est niveau 32. Ah mais ce n'est pas un dresseur, c'est un PNJ. Nous voilà enfin arrivés à Yona, voilà. C'est maintenant que l'aventure commence vraiment. En plus, près de la côte, tu peux bien voir les Pokémon des fonds marins. Ok, nickel. On est arrivé apparemment, mais pourtant j'ai pas mis le pied sur terre. Hein. Alors il y a un petit combat. Ok, la petite piqûre. Ouais, bah pourquoi pas, hein, voilà. Le petit chinchou. Oh, il résiste. What? Oh, un axoloto. C'est mignon. Oh, Riangem. Il a tanké. Allez, le dernier bateau. Et moi j'ai gagné. Oh, j'entends des. Oh, il y a un Baby Manta. Il y a des Baby Manta. On a déjà des Baby Manta. On a déjà des Baby Manta. On a déjà tout ça. Oh, de toute façon, écoute, on est bien. Allez, let's go. Moi, je vais rejoindre la côte. Et puis, on va se laisser là, les gens, tranquillement. Donc, voilà. Bah, écoute. Ah, nous voilà donc. Il y a Yona. Voilà, on va parler au monsieur. Hop. Nous sommes arrivés. Bonjour monsieur.
qu'est-ce que tu nous dis ? Bienvenue à Iona Oala. Cette île est une énorme forêt, alors tâche de ne pas te perdre. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant si tu quittes le sentier. Il n'y a qu'une ville sur cette île. Elle s'appelle Vertolian. Tu y trouveras un capitaine et un doyen. Putain, un doyen ! Mais attention, à partir d'ici, tu peux considérer que tous les dresseurs ont au moins le niveau du meilleur dresseur de Olalel. C'est-à-dire Neola. Donc ça va être quand même assez chaud. Eh bah écoute, Toto, moi je t'attends dans la petite embarcadère de Iona Oala. Je vais parler aux gens, aux monsieur. Bonjour. Ah, tu as enfin réussi à arriver à Iona Oala, c'est que ton périple a plutôt bien avancé. Dans ce cas, laisse-moi t'offrir cet objet, c'est très pratique pour entraîner Pokémon faibles. C'est un multi-exp. Il répartira la moitié de l'XP d'un combat avec les Pokémon qu'il porte. Et je ne peux pas le prendre, donc je l'ai récupéré plus tard. Et là j'ai eu quoi ? J'ai eu téléporte, nickel. Et donc là il dit quoi ce monsieur ? Tu n'as pas envie de retraverser la mer, comme je te comprends, le trajet est plutôt long, mais s'il te prend l'envie de retourner à Olalel, mon Xatu pourra t'y téléporter avec plaisir. Donc Xatu est très réactif, enfin ça dépend quand il veut, essayer de lui donner cette pomme. Par contre le retour c'est ton problème. Quelle pomme ? Celle-là ? Ah merde ! Bon ! On se laisse sur cet épisode où le Xatu vient de me téléporter à Olalel. Ça tombe bien, comme ça Toton va pouvoir aller à la place festival pour EV nos Pokémon. Ah bon bah ouais. Enfin ouais. Comme. Donc on va EV nos Pokémon off tranquillou. Et puis bah on se retrouve donc pour le prochain épisode. Bah attends Toto, t'es en train de prendre des becs, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve pour le prochain épisode sur la deuxième île, Iona Oala. En espérant qu'on va avoir le niveau pour cette île, parce que ça a l'air un peu compliqué quand même hein. Enfin bref. Voilà, et bien écoutez, à la prochaine sur Pokémon. Allez, bisous!